Donc si t'aimes pas la critique, les gars, ça va être compliqué. Hein. Là, ça va être compliqué. En fait, on s'en fiche de la critique. À partir du moment où les gens parlent de toi, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Tant qu'ils parlent de toi, c'est bon, on est bon. On est au bon endroit. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars vous allez bien. N'hésite pas à t'abonner hein, si jamais c'est pas encore fait. Tu t'abonnes, hein, tu cliques sur la cloche, tu connais la chanson. Ici c'est Jonathan Hatchi, l'idée de cette chaîne c'est pour te permettre d'être déterminé, motivé à créer ton business en ligne, voyager, aller où tu veux, quand tu veux. Moi depuis que je voyage, j'ai jamais autant kiffé la life, j'ai envie de te dire. J'ai envie de te dire, ok? Et comment j'ai réussi à faire ça? Bah déjà, j'ai commencé en 2016 avec mon premier business en ligne qui était sur le saxophone. Je vendais des formations en ligne sur le saxophone, donc comment apprendre à jouer au saxophone. Et sur le lancement, tu vois, sur le lancement en fait de ce produit-là, de vente de formations sur le saxophone, j'ai fait 20 000 euros une semaine. Donc du coup, voilà. Et pourtant, j'ai grandi à Évry, dans le 91, dans le quartier des Pyramides, et j'ai redonné mon BP, et pourtant, j'ai réussi à le faire. Donc les gars, arrêtez de trouver des excuses constamment, les gars. À un moment donné, là, il faut juste se bouger. Bon, il faut avoir les bonnes informations. D'où, pourquoi, tu es libre d'accéder à tout ce qui est en description, d'accord? Il y a des formations offertes, tu prends, c'est cadeau. Et passons directement au sujet de la vidéo. On va voir ensemble dans cette vidéo le coût de devenir entrepreneur, le coût de créer son business en ligne, parce que c'est vrai qu'on n'en parle pas souvent ça. Hein, tu regardes, je sais que tu aimes bien regarder les vidéos où tu vois des gars qui sont en Ferrari, voilà, qui sont à Dubaï, etc., qui sont dans des hôtels de luxe, et qui ont des pulls Dior et tout, etc. Tu dis, oh, mais ça déchire d'être entrepreneur. Oui, alors ça, c'est le bon côté, ok? Et on parle jamais du côté, bah, le coût de ce que ça va vraiment te coûter, hein? Comme dit l'autre, il va falloir que tu payes le prix aujourd'hui hein, pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. Donc on voit toujours la fin, hein, le bout de l'iceberg, mais on voit jamais tout ce qui est en dessous. Et c'est ce dont je vais te parler dans cette vidéo pour que tu saches la vérité. Tu saches la vérité, c'est quoi vraiment la vérité? C'est pas genre juste c'est la belle vie, tout ça, etc. Donc première chose que ça va te coûter, c'est que tu vas perdre la sécurité de ton revenu, d'accord? Parce que là, actuellement, si jamais tu es salarié, c'est vrai que c'est relou d'être salarié. Il y a plein d'inconvénients d'être salarié, hein, clairement. Sinon, je serais toujours salarié, hein, si ça déchirait. Il y a plein d'inconvénients à être salarié. Mais ce qui est sûr, c'est que quoi que tu fasses, eh ben, tu touches ton loyer. Tellement le gars est déconnecté de tout ce qui est salariat, chaque mois, tu vas toucher ton revenu, quoi, en fait. Tu vois, ton salaire. Et même si tu es malade, il y a toujours des trucs. Même si tu rates un jour, j'en sais rien, moi. Même si tu vas à ton travail, tu fais rien. Tu fais genre, tu fins ton boss, tu fais rien, etc. Boum, tous les mois, ça tombe, boum, comme ça. Tu vois, ça tombe comme ça, même salaire, même tarif, boum, 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 boum. Normal. Hein. Et ben, quand tu es entrepreneur, ça, c'est fini, ça. Ça, c'est fini. C'est pas genre l'argent, il tombe tous les mois comme ça. C'est pour ça d'ailleurs que souvent, je vois des gens qui posent des questions et disent « Ouais, mais tu touches combien par mois ?» Quand t'es entrepreneur, il n'y a pas d'histoire de « Tu touches combien par mois ?» À la limite, le chiffre d'affaires de l'année, tu vois, tu peux demander. Mais par mois, bah, ça change constamment en fait. Il y a des fois, surtout quand tu es dans les débuts, tu peux faire zéro, tu vois. Et le mois d'après, tu peux faire 4, 3, 10, tu vois, ça dépend en fait. Bon, un gros écart comme ça, quand même, ça dépend. Après, ça dépend des business. Mais pour te dire que c'est pas genre ça tombe tous les mois, c'est le même tarif, machin. Donc, ça n'a aucun sens de demander, par exemple, à un entrepreneur, ouais, combien tu fais par mois, tu vois. À moins que ce soit un entrepreneur avancé, etc., qui sort des salaires. Bref, mais tu comprends l'idée, tu vois. C'est pas un truc stable. Surtout quand tu commences à te lancer, c'est pas un truc stable. Ça va le devenir après, au bout de plusieurs années, quand tu auras bien fait grossir ton entreprise, etc. Donc, ça va j'espère pour toi qu'en tout cas ton business il va augmenter. Tu vois, il va falloir te former, etc., devenir une nouvelle personne, avoir de nouvelles compétences pour pouvoir s'entourer des meilleures personnes. Parce qu'à un moment donné, c'est pas toi qui fais tout. Hein. Après, tu t'entoures des meilleures personnes, etc., pour pouvoir faire grossir ton business. Mais dans les débuts, ça monte, ça descend. Donc ça, premier coup déjà, premier inconvénient, c'est que quand tu passes de salariat à entrepreneur, vraiment, où tu fais que entrepreneur, tu as des revenus que qui viennent de ton business, et ben, ça peut monter, ça peut descendre, c'est pas constant. Ça tombe pas tous les mois comme ça, voilà, même si tu fais rien, il n'y a rien. Deuxième inconvénient, c'est que tu es seul, souvent très seul par rapport à ton projet. C'est-à-dire que quand tu vas vouloir te lancer, en général, les gens qui sont autour de toi, ils vont dire « Ah, c'est trop risqué. Pourquoi tu fais ça ?»
Mais non, ta daronne va te dire, mais non, mais fais, va travailler, va trouver un CDI. C'est pas sécurisé là, c'est pas sécur là ce que tu veux faire. Tous les gens autour de toi, de toute façon, ils vont toujours te dire, c'est pas bon. Et pourquoi ils font ça? Parce que bah, eux-mêmes, en fait, ils vont projeter leur peur sur toi. C'est même pas. Faut pas le prendre personnellement des fois. Bon, il y en a déjà, je pense qu'il y a des gens qui sont jaloux dans le lot. Forcément, il y a des gens qui sont jaloux, qui disent, ah non, le fais pas et tout, pour que tu restes avec eux, tu vois. Hein, qu'on reste tous ensemble dans le quartier, voilà. Non, 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 toi tu veux partir? Non, non, viens, on reste ensemble, on est bien là, regarde. On vient, on reste ici tous ensemble, tu vois. Donc il y a des gens, bon, ils sont un petit peu jaloux. J'y croyais pas, mais bon, si. Moi, je n'y ai pas vraiment été confronté, je pense pas. Bon, en tout cas, je fais tellement pas attention, tellement je suis focus. Mais je sais que oui, ça peut arriver que les gens, qu'il y a des gens qui voulaient réussir et des gens qui sont autour d'eux, t'es tout simplement jaloux, en fait. Hein, tout simplement jaloux. Donc ça, c'est des choses qui peuvent arriver, mais tout ça pour te dire que tu vas te retrouver un petit peu seul contre tous. Seul contre tous, pas contre. Mais en tout cas, il y aura, les gens qui sont autour de toi ne vont pas forcément te pousser. D'où pourquoi c'est important de changer ton environnement, d'essayer d'être dans des groupes Facebook où il y a des gens qui sont dans le même délire que toi. Si jamais tu as acheté une formation en ligne, essaie de te connecter avec les gens qui ont acheté la même formation en ligne pour que vous soyez ensemble sur le même chemin, vous traversez les mêmes obstacles. Comme ça, là, ça permet de motiver. Tu peux partager tes galères, tes difficultés avec une personne qui est dans le même état d'esprit et le même mindset. Mais si tu comptes sur ton entourage pour pouvoir te croire en toi, croire en ton projet, déjà tu pars mal. Et puis de toute façon, quand tu pars comme ça, tu es en mode leader. Quand tu pars en mode entrepreneur, tu es un leader. C'est d'abord toi, tu montres aux autres la voie et après ils vont croire. Mais c'est pas genre ils croient en toi et après toi tu deviens un leader ou tu deviens entrepreneur. Non, tu vas, tu montes et après tu leur dis, regardez, ça déchire, venez. Donc selon moi, c'est une grosse erreur de quand tu te lances comme ça, d'attendre que tout le monde te supporte, que d'attendre que ta daronne te supporte, d'attendre que tout ça, machin. Ça sert à rien. Parle même pas avec eux de ça en fait. Ça sert à rien en fait. Tu vas perdre ton temps. Tu vois, parce que après ça va te prendre la tête, ça va te miner le moral. Donc autant faire ce que tu as à faire. Quand tu as des résultats, boum, tu montes et puis voilà, terminé. Troisième inconvénient, coût que ça va te coûter de devenir un entrepreneur, c'est que ça va te demander des sacrifices. Ça va te demander des sacrifices à court terme pour pouvoir profiter à long terme, hein, comme dit Grant Cardone. Paye le prix aujourd'hui pour pouvoir te payer n'importe quel prix dans le futur. C'est clairement ça. Ça veut dire que tu vas travailler beaucoup plus que les gens. Souvent, j'ai l'impression que les gens ils pensent, ouais, quand je vais être entrepreneur, ça va déchirer, je vais être sur la plage avec mon ordinateur et en buvant un cocktail aux Bahamas. Non, c'est que non. En tout cas, pas dans les premiers temps. Ça, c'est sûr. Dans les premiers temps, tu vas charbonner beaucoup plus que quand tu étais salarié. Tu vas faire les semaines de 35 heures, ça va te faire rire. Hein. Tu vas faire le double, largement. Okay? Dans le début, tu vas charbonner comme un malade. Tu ne seras pas en mode, ouais, je suis salarié, j'essaie d'esquiver le patron, j'essaie de gratter des heures ici, j'essaie de ne rien faire pour pouvoir être payé à rien faire. Non, quand tu es entrepreneur, si tu fais rien, il va rien se passer. Si t'es pas productif, ben tu gagnes pas d'argent. C'est aussi simple que ça. Le marché, il n'en a rien à faire. Que tu sois malade, que tu sois pas bien, que tu trouves pas d'idées, le marché, il n'en a rien à faire. C'est où tu apportes quelque chose qui aide les gens et ils te payent pour ça, ou t'as pas d'argent qui rentre. C'est aussi simple que ça. Et dans les premiers temps, tu vas devoir charbonner. Et même si tu as une formation en ligne, tu suis pas à pas, tu vas devoir charbonner aussi. Pareil, ça changera rien du tout. Okay, pourquoi? Bah parce que tu apprends des nouvelles choses, il faut que tu deviennes une nouvelle personne. Il y a beaucoup d'actions à mettre en place. Et une fois que les actions elles sont mises en place, continuellement, donc il faut continuer à les faire constamment. Et puis il y a le facteur temps aussi qui rentre en compte. Tu vois. Pour pouvoir, tu peux pas genre devenir millionnaire du jour au lendemain, par exemple. Tu vois. C'est pas possible. Tu vois, il y a des actions qui vont devoir être mises en place. Même si tu sais exactement le chemin qu'il faut suivre, il y a des actions qu'il va falloir mettre en place et attendre que ça se cumule, quoi, qu'il y ait un effet cumulé qui fait que ça te donne le résultat que tu veux à la fin, tu vois. Donc sache que les bails de ouais, le week-end tu vas sortir, les bails que tu crois que, genre, tu vas avoir la même vie que quand tu étais salarié, mais sauf que là tu seras entrepreneur, donc tu vas faire 35 heures et que tu vas faire 10 000 euros par mois et que tu vas sortir tous les week-ends et que tu vas aller chez Netflix, tu vas aller chez Netflix et que tu vas avoir des meufs constamment, j'en sais rien. Sache que ça, là, ça ne va pas fonctionner, ça. Il va falloir être dans une période où, quand tu te seras formé, imagine, tu crées ton business en ligne, tu achètes une formation en ligne, après, tu t'enfermes. C'est ça la deuxième étape. Tu t'enfermes dans ta chambre et tu bosses. Et tu bosses juste à temps que ça pète. Pas de Netflix, pas de sortie, je sais pas quoi. Pas de genre, ça ne sert à rien de chercher des meufs, là, les gars. Ce n'est pas le moment de chercher des meufs. Elle va vous prendre du temps, elle va vous demander du temps.
des investissements. Non, là, c'est rester focus sur ton business. T'inquiète pas, tout le reste va venir après. Quand tu auras du succès, tout le reste va venir direct. Tu verras. Il n'y aura aucun problème pour ça. Mais beaucoup de gens ne sont pas prêts à faire ce sacrifice. Ça les saoule en fait. Ou ils vont le faire un mois, deux mois et puis ils vont dire ça ne fonctionne pas. Alors que même si ça prendrait 5 ans, imagine même ça prend 5 ans dans ta vie. 5 ans et tu changes complètement ta vie. Tu vois pas que ça les vaut. Et en plus, ça ne prendra pas 5 ans. Mais imaginons, donc, pendant le pire des cas, je ne sais pas, tu, parce que tu as été dans le syndrome de Shiny, tu as vu, tu as changé de formation à chaque fois, tu as changé de direction à chaque fois, donc forcément tu as perdu du temps, etc. Dans le pire des cas, tu prends 5 ans. Après 5 ans, gars, 5 ans, ta vie elle est complètement différente. Gars. Ça ne les vaut pas, gars. Donc voilà, donc ne fais pas avoir par les gens qui se plaignent, qui disent ouais, ils n'y arrivent pas ou que ça ne fonctionne pas. Les gars, ils ont essayé 3 mois, 6 mois, et puis après ils ont abandonné, et puis ils disent ça ne fonctionne pas. Mais tu as cru que c'était. En fait, ils ont cru que c'était genre le millionnaire. Ils ont cru que c'était un truc du millionnaire. On ne comprend pas en fait. Donc seuls les vrais vont rester jusqu'à la fin, les gars. Seuls les vrais seront déterminés, seuls les vrais, les alphas, hein, ce qu'on appelle les alphas, seuls les alphas vont rester jusqu'au bout. Et avoir le résultat qu'ils veulent. Autre coup de devenir entrepreneur, c'est que tu auras des challenges constamment. Tu sais, des fois, on a l'impression que, ouais, une fois que je suis entrepreneur ou une fois que j'aurai, je sais pas moi, une fois que j'aurai atteint les 10K par mois, c'est bon, j'aurai plus de problème. Ben non, parce qu'en fait, tu auras des challenges. En fait, tu as toujours des challenges constamment. En tant qu'entrepreneur, tu as des challenges tous les jours, en fait. Tu auras toujours des trucs à régler, toujours des problèmes à gérer. Ce sera ton quotidien. Et plus tu vas augmenter tes revenus, plus tu auras des challenges plus élevés. C'est aussi simple que ça. Mais après, comme ça se fait crescendo, tu ne le sens pas. Tu vois, si jamais tu donnes un challenge d'un gars qui fait 100 000 euros par mois à gérer, alors que toi, tu fais peut-être 2 000 ou 3 000 euros par mois, tu ne vas pas pouvoir le gérer. Ça va t'écraser. Ce sera trop fort pour toi. Tu vois. Mais le gars qui a le challenge à 100K, ben lui, il est passé par différentes étapes. Tu ne fais pas de 0 à 100K comme ça. Tu vas progressivement, tu vas par palier. Tu vois. Donc, durant cette période-là, tu auras des doutes. Tu auras des peurs, tu auras des challenges et ça peut être relou, tu vois. Donc là, moi, je te partage tous les coups pour que tu saches. Si jamais tu sais que tu es une victime, tu aimes bien te plaindre, tu n'aimes pas te battre dans la vie pour avoir ce que tu veux, mais te lance pas dans l'entrepreneuriat. Si tu sais que tu n'as pas envie de prendre de risques, tu veux vraiment pas prendre de risques, rien, même si c'est des risques calculés, tu veux juste être tranquille et toucher ton argent sans rien, sans faire grand-chose, eh bien, reste salarié. C'est pas fait pour tout le monde, hein, entrepreneur. Hein. Entrepreneur, c'est fait pour les bonhommes. Les gens qui sont entrepreneurs, c'est des bonhommes, c'est des alphas, tu vois. Donc, tout le monde n'est pas alpha, hein. Il y a plein de bêta sim. Donc après, c'est à vous de choisir, les gars. Il y a eux, il y a nous. Hein. Quand tu dis quoi, toi, tu crois que je rigole quand je dis il y a eux, il y a nous. Hein, je pourrais dire il y a les alphas, il y a les bêtas, hein. Ça revient au même. Hein. Et il y a différentes sortes de bêtas. Hein. Il y en a, ils sont là, oui, non, mais ils font les philosophes et je sais pas quoi, mais ils passent jamais à l'action, par exemple. Tu vois, j'en pense à un bêta là, dans la tête, là, hop, je me rappelle de lui quand j'étais en live. Et lui, c'est le bêta parfait. Lui, il connaît tout, mais il passe jamais à l'action. Bah, montre tes résultats, passe à l'action, fais quelque chose. Autre coup aussi que tu auras quand tu vas vouloir devenir entrepreneur, c'est que bah, y a des gens qui vont t'aimer, il y a des gens qui vont te détester, il y a des gens qui vont te critiquer. Et si jamais tu ne supportes pas la critique, tu as fleur de peau dès qu'on te dit un truc où les gens ne sont pas d'accord avec toi ou sont à l'opposé de ce que tu penses, ça va être compliqué. Parce que forcément, quand tu fais quelque chose, et des fois, c'est même pas mal parce que des fois, on le prend personnellement, mais tu sais, les gens, quand tu dis quelque chose qui va à l'encontre de ce qu'on leur a dit depuis tout petit, de ce que leur mère leur a enseigné, de ce que leur grand-père leur a enseigné. Si toi, tu viens, tu dis, ouais, un truc qui est complètement différent. Par exemple, oui, tu peux faire 10 000 euros par mois, alors que depuis tout petit, lui, on lui a dit, oui, ton grand-père lui a dit, ouais, c'est la sueur de ton front que tu vas pouvoir gagner de l'argent et maximum tu pourras gagner dans ta vie, je sais pas, 2 000 euros. C'est un exemple, tu vois. Et ben genre, lui, quand il va t'entendre dire ça, et c'est comme si tu t'insultais toute sa famille. Tu vois, on va t'entendre dire ouais, tu fais 10 000 euros, donc en gros, donc ma mère, elle dit n'importe quoi, quoi. C'est ce que tu es en train de dire en fait. Tu vois, c'est inconsciemment, consciemment, c'est ce que ça va faire. Lui, dans sa tête, il va dire mais t'es un ouf et il va t'insulter. Tu vois, mais sache que bah, du coup, dans tous les cas, à partir du moment où tu es au-dessus de la norme, d'accord, tu es au-dessus des gens, tu n'es pas un gars moyen, tu n'es pas un gars normal. Donc, c'est-à-dire, comment on fait pour devenir un gars au-dessus des autres? Ben, c'est juste passer à l'action, faire des choses en fait. Parce que la plupart des gens font rien en fait. Les gens, ils vont juste mettre au boulot dodo, ils rentrent chez eux, ils mangent et puis ils font ça tous les jours jusqu'à la fin. Le week-end, ils essaient de faire des barbecues, ils essaient d'aller en vacances voilà, une fois par mois dans le sud, et puis une fois par an, et puis c'est tout. Ils font rien dans leur life.
Tu vois, ils sont là, ils sont salariés, etc. Ils essaient de monter les échelons dans leur entreprise ou ils font des petites formations pour essayer de changer de poste. Mais c'est tout. Donc forcément, des gens qui passent à l'action, quel que soit le domaine, hein, que ça peut être de la musique, ça peut être dans n'importe quoi, la musique. Ça fait deux fois que je dis la musique, là. Hein. L'entrepreneuriat, quelle que soit la chose que tu vas faire, à partir du moment où tu fais la différence, tu fais quelque chose, eh ben, tu vas être visible et les gens vont te critiquer. En tout cas, les gens vont parler de toi, tu vois, et vont toujours donner leur avis. Donc l'idée, c'est pas de se chercher à plaire à qui que ce soit. L'idée, c'est que toi, tu fais ce que tu as à faire. Tu es un alpha, les gens, ils vont toujours parler de toi. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Après, c'est vrai que alpha, ça fonctionne pas pour les filles, les gars. Donc bon, mais voilà, les filles, vous savez, je pense à vous quand je parle aussi. Hein. Donc t'inquiète pas, je pense aussi à vous. Mais tout ça pour dire que tu seras toujours critiqué dès que tu vas te lancer, quand tu vas faire quelque chose. Donc si t'aimes pas la critique, les gars, ça va être compliqué. Hein. Là, ça va être compliqué. En fait, on s'en fiche de la critique. À partir du moment où les gens ils parlent de toi, c'est bon. C'est tout ce qu'il y a à retenir. Tant qu'ils parlent de toi, c'est bon, on est bon. On est au bon endroit. Mais il faut que tu arrêtes de te prendre la tête par rapport à ce que les gens vont dire. Sinon, après, tu fais ta vie par rapport à eux. Tu calques ta vie par rapport à eux. Ah, mais comme ils vont dire ça, ah ben, du coup, je change. Ben non, gars, tu fais comme tu as envie. Ceux qui veulent rester, ils restent. Ceux qui veulent pas rester, ils restent pas. C'est tout. Enfin. Bon, après, je t'ai parlé des inconvénients, mais par rapport à ce que tu gagnes, par rapport à ce que tu gagnes, mec, c'est même pas comparable. Je veux dire, ce que tu vas gagner, c'est la liberté. Tu vas gérer ton temps comme tu veux. Si jamais aujourd'hui, tu ne veux pas travailler, tu ne travailles pas. Si tu veux voyager, tu voyages. Alors, travailler, pas travailler, bon, au début, non. Hein. Au début, tu vas devoir quand même charbonner. Mais je veux dire, même si tu arrêtes un jour, même dans ton charbonnage, ça ne va pas changer grand-chose, tu vois. Mais bon, dans les débuts, de toute façon, il faut que tu charbonnes. Dès le début, tu vas commencer à prendre des pauses, tu viens de commencer, tu vois. Mais voilà, au niveau de la liberté géographique, la liberté d'aller au restaurant où tu prends ce que tu veux, la liberté d'acheter ce que tu veux, la liberté de pouvoir vivre ce que tu veux, la liberté d'avoir des nouvelles expériences, de découvrir des nouvelles cultures, là, comme je le fais en allant dans différents pays, ça change ton mindset et tu vois plus du tout les choses de la même manière. Le fait de devenir un alpha, parce que concrètement, tu deviens leader. Quand on te reprend, tu deviens leader. Quand tu deviens un alpha, forcément, tu attires tout ce que tu veux à toi. Tu vas attirer des gens, des opportunités. Si jamais tu es célibataire, là, tu cours partout là, pour essayer de trouver des femmes. Quand tu vas devenir un alpha, quand tu es un entrepreneur, elles vont être attirées par toi. C'est la logique, en fait. C'est comme s'il y a un marché, c'est comme s'il y a le marché du célibat. Si jamais tout le monde est ici et toi, tu es ici, forcément, les femmes elles vont être attirées par toi. Parce qu'elles vont toujours essayer de dater le gars le plus... le plus élevé qu'elles peuvent. Comme toi, tu essaies de dater la plus belle femme que tu peux, tu vois. Ça revient au même. Donc, en fait, c'est un package qui fait que t'es gagnant. Le sacrifice en vaut la chandelle. Donc, les gars, je ne cesserai de vous le dire, les gars. Lancez-vous. Maintenant, si jamais tous les inconvénients que je t'ai donnés, c'est des trucs que tu sais que tu peux pas gérer, ne te lance pas. Mais par contre, faut pas te plaindre après. Faut pas te dire, j'ai pas d'argent, etc. Ok, donc pour tous les autres, les gars, tu es libre pour accéder à ma formation Influenceur 2.0, c'est un prix super accessible. Tu peux te lancer et direct. Mathématiquement, si tu suis ce que je te dis, tu es obligé de faire de l'argent. Je te dis pas que tu vas devenir millionnaire, mais tu es obligé d'être libre, de pouvoir travailler de chez toi avec ton ordinateur, voyager. C'est obligatoire en fait. Mathématiquement, tu es obligé d'y arriver. C'est obligé en fait. Ok? C'est juste que faut juste pas abandonner, c'est tout. Mais juste être persévérant. Donc moi je l'ai fait plusieurs fois. C'est pas comme si je l'ai fait une fois. Je l'ai fait pour le saxophone. Après je l'ai fait pour la santé. Je l'ai fait là pour le business que je suis en train de faire. Toutes les stratégies dont je te partage, c'est ce que j'ai utilisé. Hein. Okay, en plus je renouvelle. Je mets à jour. C'est les mêmes stratégies que mes coachs ont utilisées, qu'on permet d'avoir encore de l'argent, qui rentre de l'argent. Enfin voilà. Il y en a même qui sont indépendants financièrement aujourd'hui. Donc à un moment donné, les gars, il faut juste se lancer et arrêter de réfléchir en fait. Juste arrêter de réfléchir. Okay, si tu es sceptique, passe à l'action quand même. Vois, regarde, vérifie. Moi, c'est comme ça que j'ai fait au début. J'étais dit, c'est vraiment sûr, on peut gagner de l'argent avec Internet. Tiens, je vais quand même essayer pour voir. Voilà, j'ai essayé. J'ai dit, si jamais il y a des gens qui ont réussi à le faire, s'il y a même une seule personne qui a réussi à le faire, s'il l'a réussi, moi, je vais réussir. Ça, c'est le mental, tu vois, le mental des gens déter. Il n'est pas en train de dire ouais, mais ça marche pas, ouais, ça marche, si, ouais, mais si, machin. Moi, s'il y a une personne qui a réussi à le faire, moi je le fais. Ok? Si jamais il a les mêmes informations, parce que, ça c'est quand je voulais acheter ma première formation en ligne. Quand j'ai acheté ma première formation en ligne, j'ai vu qu'il y avait 2-3 gars qui avaient réussi. J'ai dit s'ils ont réussi, moi je réussis.
avec les mêmes infos, avec ces infos-là, ils ont réussi. S'ils ont réussi avec ces infos, moi, je vais réussir. Fin. Il n'y a pas de question. Parce que je sais, je me connais, je me fais confiance. Les gens qui n'osent pas investir en eux, c'est les gens qui ne se font pas confiance. C'est aussi simple que ça. Parce que le problème n'est pas la formation. Tu vois qu'il y a des témoignages, tu vois qu'il y a des gens qui ont réussi. Moi, tu vois mes témoignages. Tu tapes sur ta petite témoignage à vie, tu verras les gens. S'ils ont réussi, pourquoi toi, tu ne réussis pas? Tu auras les mêmes infos. Okay? Le seul problème, c'est qu'après, on se trouve des excuses. Tu ne te fais pas confiance. Si jamais tu te fais confiance, bah, tu n'as pas peur d'investir en toi, en fait. Parce que tu sais que avec les informations, boum, toi, tu vas avoir des résultats. Parce que ce n'est pas la formation qui donne les résultats, c'est toi. Hein. C'est juste ton mindset, ton état d'esprit. Il te faut juste les bonnes informations pour ne pas perdre du temps. Non, tu vas perdre du temps, c'est sûr. Tu vois. Donc, à un moment donné, c'est où on est un bonhomme, où on n'est pas un bonhomme. Ça fait plusieurs fois que tu regardes mes vidéos. Tu as envie de te lancer. Eh bien, lance-toi. Tu as la formation Fierceur 2.0. Arrête de bégayer, arrête de chercher des excuses. Okay. Si jamais tu savais, si jamais tu vois un gars qui déchire, je sais pas moi, tu vois un gars qui déchire, qui est déterminé, tu vois que dans sa tête, il a un état d'esprit de vainqueur, qui va rien lâcher dans tout ce qu'il fait, et il te dit, est-ce que tu veux investir en moi? Est-ce que tu veux investir en lui ou pas? Il dit, ouais, je vais me lancer dans un projet, est-ce que tu es prêt à m'aider, à mettre un peu d'argent en moi? Tu vas investir avec lui. Pourquoi? Parce que tu es sûr, tu vois avec son état d'esprit, sa détermination qu'il va réussir, c'est sûr. Ce serait qu'une question de temps, donc tu seras prêt à mettre un billet sur lui. Eh bien, c'est la même chose pour toi. Si jamais tu n'oses pas investir en toi, c'est que tu ne te fais pas confiance, tu penses que tu ne peux pas y arriver. Okay? Donc déjà, il faut travailler ton état d'esprit. Okay? Sinon, pour les autres qui sont déterminés, les alphas, les gars, vous êtes libres, les gars, d'accéder à la formation Fierceur 2.0 et arrêter de bégayer. Okay? Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo, les gars. On ne lâche rien. Mets-moi un petit j'aime si jamais ta vidéo. Un j'aime pas parce que tu es un bêta et tu es énervé que je t'ai décrypté. Boum, boum. Okay? Et sinon, les gars, on ne lâche rien et on reste déterminés. Il y a eux. Et à nous, sur ton camp.